Salut, pas, ça a été ton boulot? Quel boulot? Je suis chômeur. Dans où t'étais, hein? Oh, tu es ravissante, Mallory. T'as l'air d'un... Merci, maman. Bon, ben, j'y vais. Je serai là à minuit, mais... d'accord? Et c'est quoi, ça? On dirait un sac poubelle sur un manche à balai. Tu peux pas grossir un peu, non? Continue comme ça et tu seras Miss Éthiopie. Où t'espères aller comme ça, hein? Je vais voir un concert de John Lee Hooker avec Donna, je te l'ai dit hier. Primou, t'as pas à me dire que tu sors. T'as qu'à me demander la permission. Secondo, tu sors pas avec cette robe de pute. Tu vas finir par vendre ton cul, petite salope. Et Tertio, tu sors pas du tout. T'as pas entendu le gazon. Tu sais bien qu'elle est niquée, ta putain de tondeuse. C'est comme ça que tu me causes devant ta mère. Sale petite conne, surveille ton langage. Sinon, je vais te dérouiller, comme elle. Je peux faire ce que je veux, t'es à moi. Ton cul est à moi. Maintenant, tu vas monter prendre une douche. Et t'as intérêt à faire ça comme il faut. Parce que je viendrai voir si t'es bien propre partout. Tu as été un peu dur avec elle, non? Je lui ferai un petit câlin après dîner. Quand j'irai la retrouver, elle verra pour ma gueule pendant une heure. Chérie, je pense que tu devrais parler plus gentiment devant Kevin. Ne pense pas. T'es qu'une p*** d'idiote. Je suis le méchant, c'est ça? Je t'ai déjà demandé de baiser avec mes potes, hein? Me dis pas ce que j'ai à faire. Sans moi, t'en seras encore à servir la tambouille dans cette gargote et à baiser avec ton patron. Oh, c'est sûrement Donna. Je vais lui annoncer la mauvaise nouvelle. Mange, tes macaronis vont être froids. Une livraison pour Ed Wilson? Oh, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Du bœuf, madame. 25 kilos de bœuf. Bien, vous attendez ici. Il faut que j'aille dire un mot à mon mari. T'es qui, toi? Ok, et toi? Mallory. Tu devrais te faire appeler Belle. T'es porté sur la viande, Mallory? Je pourrais. T'es toujours habillée comme ça ou c'est pas ce que tu m'attendais? Pourquoi je m'habillerais comme ça pour un type que je connais pas? Eh ben, peut-être que quelque chose en toi t'a poussé à le faire. Quelque chose comme le destin. Tu crois au destin, Mallory? Peut-être. T'as pas l'air d'être heureuse. Viens faire un tour, on en parlera. Tu avais promis au docteur que tu ne mangerais plus de viande. Je mange ce que je veux et je t'emmerde. Quand on avale ta p*** de bouffe pour faire sa prière. J'ai pas envie que tu te bouches les artères et que tu t'écroules tout d'un coup à table. Chiale pas, b***h, chiale pas, ça me débec. Oh, j'ai pas pleuré une seule fois depuis 15 ans et malgré ça, tu m'as pas touché. Bah, et lui alors? T'étais sous, tu te croyais dans la chambre de Mallory. C'est comme ça qu'on a eu Kevin. Quoi? Alors Mallory, c'est ma mère? Je rends pas la viande, t'entends? Je me fiche de ce que tu me feras! Tu vas voir ce que je vais te faire, moi! Ted, regarde! Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis avec le boucher, je reviens avant l'aube. Bise, Mallory. Oh, la petite sale là! Ils ont volé ta voiture! Ma voiture? Oh, le sale petit enculé! C'est moi qui l'ai dessalé, c'est lui qui va en profiter, je vais le soigner lui aussi! Appelle les flics, paye-toi!